Allez, on continue la continuité, hein. J'ai un mec là, un oiseau, Stalgama, Nigrigon. Disparaît, petit Fulgulero, petit art, Brocellome. Allez là, donnez-nous du 8 parce que ça commence à faire peu alors qu'on sait qu'il y a un ratio. Je sais pas pourquoi j'ai peur. Ah, et ben voilà. La petite secrète qui tombe avec le magnifique Lensaurien Terra cristallisé. Une première secrète ici. T'en penses quoi de la saison cette année? En vrai, les gars, je vais pas vous mentir, hein, je suis beaucoup moins assidu qu'il y a quelques années. Attention. Alternate. Sur Faille Paradox, on peut penser à Rugilune, bien évidemment. Mais il y en a des très beaux. Il y a aussi, bien sûr, Tête de Fer. Je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, non, je sais plus comment elle s'appelle. Bref, good luck. Et il y a aussi le pelage sablé en alternate, très sympa. C'est pas la plus recherchée, mais ça fait plaisir de tomber une petite alternate. Et voilà, les coffrets, hein. Ah, j'aime beaucoup ces coffrets en vrai. Premier booster de l'Orcana, malheureusement rien. Et le petit booster de mascarade. Oh là 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 là. Oh là là, le booster d'une vie, monsieur. Avec Ursa King, ex alternate, suivi derrière d'une full art de Luxray ex. Je pense que c'est le plus beau booster qu'on a eu à l'heure actuelle sur cette collection, et de loin. Et regardez-le, déjà une qui tombe. Et regarde bien, ici, Ligue des Champions. Real de Madrid, signature rookie de Théo Zidane. Putain, ça peut valoir au bout d'un moment. Le fils est la première autographe qui tombe. Barcola ici. Kangin Lee. Marcos Asensio. Et attention. Dembélé est derrière. Paris. Défenseur. Sur 50. Monsieur Lucas Hernandez avec You have received the 1974 Topps Rally Cards from Topps. The rally contained on this card is not from any specific game event or season. Match worn. Maillot porté ici de Lucas Hernandez sur 50. Egarté. On a Ashraf. Et Paris attaquant. Sur 250, le Marco Asensio. C'est pas la win du siècle, mais les cartes sont putain de belles. Oh là, c'est tellement beau ces bouts de maillot là. Oh là là, Sergi Roberto, Arojo, Gold Trip de Lionel Messi qui est de retour dans les box Barcelone. Ferran Torres, et regarde bien. Dinguerie, ouais, moi je trouve cool. Sur 99, Yamal Rookie. Rafinha, Robert Lewandowski, rookie de Alcaron, et malheureusement tu l'auras compris, tu n'auras pas de relique, mais tu auras une signature. De qui? 213 sur 250. Putain, il m'a dit qu'il voulait pas balder. C'est ça que tu m'avais dit là. Il peut y avoir des leaders en alt. Ouais, là je crois qu'il y a un truc là, les gars. Oui, c'est Rayleigh. Ouais, exactement. Ouais, c'est... Exactement. J'aime beaucoup. Ah oui, d'accord, elles sont là. Ok, les Ace sont disponibles. High-tech chez nous. Oh, alterné du nouveau Pokémon. Michel. Je sais pas comment il s'appelle. Elle est belle, hein. Ouais, elle a tellement de couleurs différentes que c'est assez vite fait de rater une carte, en vrai. Quand tu connais pas. Why? Waouh, 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 attends, ça brille de ouf là. C'est quoi ça? Terrible? Ah, terrible pas bien, terrible bien. C'est le dragon taureau. C'est la secte classique, putain, par les français, les gars. Au bout d'un moment, moi je veux bien faire du One Piece pour vous faire plaisir, mais les gars, vous m'aidez pas du tout avec vos termes, les gars. C'est une secrète. Ursa King. La magnifique Persian carte à air. Et alternate secrète qui tombe pour toi, Tétouze. Eh ben ça tombe, hein.
Wow. Hayden James, Lionel Messi. J'ai jamais vu cette carte de ma vie. Ah, c'est dommage, je ne sois pas numéroté, mais elle est magnifique. Je l'ai jamais vue. Là, il va y avoir une signée ou une maillot. Ça ne sera pas un maillot sur 99, la 9. Warren Zaïre Emery, 9 sur 99. Elle est belle. Elle est très, très belle. Très, très belle, celle-là. Très, très jolie. Sur 75... 55. Oh, je l'ai pas le nom. Ancienne légende. Kuhn ! J'avoue, je l'ai pas. J'avoue, je l'ai pas. Martin Kuhn. Pourtant, il a le maillot des Invincibles. Je suis vraiment un inculte.